Salut à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser une recette très facile et rapide à faire. On va faire des petits muffins au chocolat, à l'orange et à la menthe. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients et la recette. Dans un saladier, on verse les 150 g de chocolat et le beurre coupé en petits morceaux et on fait fondre doucement au micro-ondes en remuant très régulièrement. Une fois fondu, on ajoute les œufs et on mélange bien à l'aide du fouet pour obtenir une préparation lisse. On ajoute ensuite le sucre et la farine et on mélange à nouveau. Pour finir, on ajoute la levure, les 50 g de chocolat haché en morceaux et les zestes des oranges. Et on mélange une dernière fois pour obtenir une préparation homogène. La pâte est prête, on vient graisser un moule à muffins et on y répartit la préparation en remplissant aux 3/4. On préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne pendant 12 à 15 minutes. Et donc pendant que les muffins sont au four, on vient presser les oranges pour récupérer le jus. Puis on le verse dans un saladier et on fait chauffer au micro-ondes. Une fois que le jus d'orange est bien chaud, on ajoute les feuilles de menthe. Puis on couvre et on laisse infuser pendant 10 minutes. Après 10 minutes, on vient tamiser le jus pour retirer la menthe. On ajoute le sucre glace et on mélange bien. On sort alors les muffins du four et on vient les tremper rapidement dans le jus d'orange. On les place ensuite sur une grille et on met 10 minutes au frais. Après 10 minutes au frais, on vient tout simplement déposer une écorce d'orange confite au sommet de chaque muffins. Et voilà, la recette est terminée, il ne reste plus qu'à les déguster. Voilà, les muffins sont terminés, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. N'hésitez pas non plus à activer les notifications pour être alerté dès que je sors une vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.